parmi une canette dans le congélateur. Passe-la moi avant qu'elle pète. Terreur des défenseurs depuis le début de saison. Dans quelques minutes, la suite du programme sur eSports. Bonjour à toutes et tous. Le match n'a pas encore commencé ici à l'Etihad Stadium, mais je peux vous dire que le public est déjà chaud. Pour commenter, eh bien c'est moi depuis un petit moment déjà. Spectacle en perspective aujourd'hui avec cette rencontre de première ligue anglaise. Manchester City contre Aston Villa. On espère bien sûr assister à un super match. Je suis assez confiant pour tout vous dire. De l'autre côté de la place. Donc c'est un des deux. De toute façon, le taxi s'arrête là au grillage où il y a les travaux. De l'autre côté du Gringo, donc en face. À près de Pipo et près du Donner Court. Voilà. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. Ederson dans les buts. Emeric Laporte en défense avec Ruben Dias. Et en ce qui concerne l'attaque, l'entraîneur a décidé de n'aligner qu'un seul joueur en pointe. Et voici le 11 de départ de l'équipe visiteuse. C'est un 4-4-2 en losange qui a été choisi. Avec un milieu axial, une pointe basse qui aura beaucoup de choses à faire au milieu. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti. Ça peut devenir dangereux. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Il est un petit peu pris là quand même. Asensio. Un ballon est perdu par Manchester City. Ouais, il y a des options dans la surface. Asensio. John Cancelo. Ouais, bien vu le centre en retrait. Et le but! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. On revoit ce bon centre en retrait, bien donné en tempo. Pour le gardien, se faire prendre le premier poteau comme ça, c'est rageant. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Frédéric Gilbert. McGinn. Ouais, elle gagne son duel. Gabriel Jesus. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Il était en bonne position, mais à l'arrivée, c'est une sortie de but. Et il l'a éliminé, attention. Il repique au centre. Marco Asensio. Asensio. Il marque, Marco Asensio. Asensio qui marque. Ouais, il était quand même idéalement placé pour marquer. Ça aurait été étonnant qu'il rate ça à cette distance. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0.
faut s'appliquer sur cette possession. Ça n'ira pas plus loin. Théo Cancelo. Il l'a bien vu, c'est bien joué. Attention, le centre à terre. Ouais, superbe l'arrêt. Magnifique à bout portant. Ah, ils ont toute l'aile qui est complètement libre. Action d'Aston Villa. Il avance encore. Ah non, finalement, ça ne donne à rien. Gabriel Jesus. En haut de l'air pour la défense avec ce dégagement. Oh, le ballon qui passe très loin du cadre. Un peu de désinvolture dans cette frappe. On revoit ce but une nouvelle fois. McGinn. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Oh, le bon ballon pour Gabriel Jesus. Mbolo. Allez, après tout, pourquoi pas. Ah ouais, c'est une bonne passe, ça. L'équipe qui a pris la main mise sur le ballon. Une des forces de cette équipe aujourd'hui, c'est d'avoir été réaliste. Allez, il peut marquer certainement la Gabriel Jesus. Et il y est. On va voir ce but. D'abord la passe en profondeur hein, qui a mis la défense aux abois. À cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Il y a un but à Goodison's Park, direction le nord de Liverpool. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur d'Everton. Ça fait donc un but partout après 29 minutes de jeu seulement, Hervé. C'est parfait, merci pour ces infos. Joao Cancelo. Il s'infiltre, attention. Centre en retrait. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Gabriel Jesus. Kevin De Bruyne qui voit sa passe interceptée. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ah non, cette contre-attaque ne donnera rien. Il faut donner. Il ouais, n'y a personne pour gêner Asensio. Asensio, oh, et c'est un but pour Manchester City. Ça pouvait être le but du chaos. Première période qui vire à la démonstration. Mbolo. Allez, Mbolo. Oh là là, l'occasion. Ouais, très beau tacle, hein. Il a sûrement évité une grosse occasion de but. Il faut donner. L'action qui se poursuit. Attention au danger. Ouais, le ballon au fond. Magnifique.
c'est très bien donné. On le revoit, ce ballon en profondeur. Beaucoup de clairvoyance hein, chez le passeur. Je vous dis la force à la fin hein, pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. C'est un match vraiment à sens unique. McGinn. Conor Ryan. C'est donné en profondeur. Ouais, il fallait sortir sur ce ballon. Excellente anticipation du gardien. Yuri Tillmans. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Attention à la frappe. La frappe était lourde, mais très belle intervention du gardien. Et la mi-temps sifflée ici. Et pour l'instant, c'est une victoire qui se profile. Les attaquants qui ont donc brillé dans cette première période. Et ce n'est peut-être pas fini. En une mi-temps, je suis déchaîné. La seconde période à l'instant avec un premier ballon pour Manchester City. Cancelo. Emeric Laporte. Et ça joue en ce moment à Goodison Park. Everton, apparemment il y a eu un but. Oui, deuxième but à l'instant pour les joueurs d'Everton. On en est donc à 2-1. Alors que 47 minutes se sont écoulées depuis le coup d'envoi. Merci, c'était complet, c'était précis. Avec un tir. Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Promo là sur le match de tout à l'heure. On attend tous avec beaucoup d'impatience. Oh, elle s'est ouvert un boulevard. Et ce n'est pas cadré cette frappe. Elle passe largement à côté. Aucune frayeur. De Bruyne. Allez, qui va reprendre ce ballon? Ilicic. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Vous voyez sur votre écran ce futur rendez-vous très alléchant, très intéressant. Il y a deux équipes qui vont nous proposer un match de haut niveau. Ça ne fait aucun doute. Ah, la belle occasion qui ne donnera rien, c'est une sortie de but. Emeric Laporte. Yuri Tillmans. De Bruyne. À d'un côté, on fait tourner. Et de l'autre, il faut bien le dire, on ne presse pas très fort. Ruben Dias. Ah, ça joue vraiment très bas. Hein. Kevin De Bruyne. Yuri Tillmans. Il faut qu'il centre maintenant. Ah, bon arrêt du gardien sur cette action. Ilicic. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ah, ils perdent ce ballon. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ouais, pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début.
un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. Digne. La passe qui a trouvé Lucas Digne. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Voilà, très propre ce tacle. Ça sera donc une touche. Bonne anticipation sur cette touche. Kevin De Bruyne. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Et non, le tir qui est contré. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Bon, il peut centrer. Asensio. Il y a du monde, il y a du monde dans la surface. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Et l'arrêt du gardien. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. En deux temps, peut-être ce corner. Ah, c'est complètement dévissé. Il y a un but à Goodison's Park, direction le nord de Liverpool. Oui Hervé, c'est le troisième but pour les joueurs d'Everton. Le score le voit. Voici 3 buts à 2 et tout ça après 74 minutes de jeu. Merci et merci pour l'info. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Vinicic. Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Joao Cancelo. Avec De Bruyne. De Bruyne. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. La défense qui a pris le dessus sur ce corner. Ouais, oh, quel but, oh, Cancelo. Cancelo. Ouais, c'était une bonne idée de monter sur cette phase offensive. La preuve avec ce but. Ah, ils explosent littéralement leurs adversaires aujourd'hui. On en est à 6-0. Allez, 9 minutes. Il ne reste que 9 minutes à jouer. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Il faut trouver une option disponible. Et puis qu'il relaxe. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Oh, l'arrêt en deux temps. L'arrêt en deux temps, première intervention exceptionnelle et puis le ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps. Et le bon ballon donné par-dessus. Tacle parfait, ça pouvait faire but. Ruben Dias. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Bon, ça, c'est bien joué dans la course.
De Bruyne, oh, il y a un vrai danger là, Kevin De Bruyne. Hors-jeu signalé. On l'a vu faire l'effort pour se remettre en jeu, mais ce ballon, malgré tout, est parti trop vite. Alors qu'on va procéder à un changement. Il résiste bien, hein, bien campé pour protéger son ballon. Il passe directement à l'adversaire. Asensio. Magnifique l'intervention du gardien. Le talon jusqu'au bout. Ah, il est bien tiré le corner là. Et sur ce corner, c'est la défense qui aura le dernier mot. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. La dernière minute avant le temps additionnel. Ce match qui s'achève.